Salut à tous, c'est FoxZ, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une partie d'élimination confirmée sur la map Raid en guerre terrestre. Donc sur cette partie j'étais en compagnie de certains amis à moi et abonnés. Donc je remercie tous les gens qui m'ont aidé à faire ces gameplays parce que j'en ai plusieurs faits avec eux. Donc voilà, je vais vous présenter de suite ma classe. Donc j'ai joué à la Chicom CQB avec poignée avant, canon long. En secondaire j'avais un B23. Si je me trompe pas, j'avais gilet pare-balles et détermination. Un atout de robustesse et dextérité, c'est ce que je mets en principe tout le temps. Et une grenade IEM, d'après ce que je vois. Juste pour. Mais je m'en suis pas trop servi. Au passage, petite quad de d'Inrelax là. En fait, faut dire qu'ils nous avaient assez surpris ce jour-là parce que juste avant, on avait fait une autre partie sur Raid justement, en EC, toujours pareil. Et ils nous avaient fait exactement la même chose, une quad au C4 en début de partie, comme ça, exactement la même. Donc, bien joué à toi déjà. Ensuite, pour revenir à ma classe, donc on va faire les choses dans l'ordre quand même. Pour revenir à ma classe, donc en série de points, j'avais microstation orbitale, unité canine et groupe de chasse. Donc, je sais pas si vous l'aurez compris ou pas, mais c'était un truc débloque un groupe de chasse, enfin un truc. Une partie qui sera enfin qui va me servir pour faire une vidéo et qui sera appelée débloquer un groupe de chasse. Donc aujourd'hui ça sera à la Chicom, vous l'aurez compris, Chicom CQB, sinon je vais encore prendre des réflexions comme quoi je dis pas les noms de des armes entières. Donc voilà, par contre je vais on m'a fait remarquer que je disais trop donc je vais le dire deux fois, je vais essayer de le dire au moins. Parce que c'est sûr que ça doit être chiant d'entendre tout le temps le même mot, donc je le fais même pas exprès. Bon, je vais essayer de plus le dire. Et désolé. Alors, je vais vous parler aujourd'hui. Déjà, je vais commencer par remercier mes 80 abonnés. Parce que ça y est, j'ai passé la barre des 80 abonnés. Je crois qu'au moment où je fais ce commentary, j'en suis à 81. Je vous remercie énormément. C'est super, je pensais même pas y arriver, même si c'est pas pour certains youtubeurs, c'est rien du tout. Je pense à Monsieur V12 qui est à plus de 1 million d'abonnés, DiabloX9 c'est pareil. Voilà, puis après sans inciter d'autres, mais il y en a y a des youtubeurs qui ont dépassé les 500 000 abonnés et tout, mais moi je suis tranquille, j'ai ma petite communauté, je fais mes vidéos tranquille, je fais mes vues, j'ai aucune pression. Voilà, c'est vous êtes des abonnés en or. Vous venez voir mes vidéos et tout, je vous remercie. Et voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler aussi de qu'en fait, comme j'ai atteint les 80 abonnés, j'avais envie de faire des nouvelles choses sur ma chaîne. Donc notamment des let's play sur certains jeux que j'aime bien jouer tout seul quand je veux me détendre. Mais bon, voilà, que j'aimerais vous faire partager. Par exemple, Crysis, le mode. Le mode comment on appelle ça? Le mode campagne quoi, le mode solo. Ensuite j'ai un autre jeu, il est pas trop connu, il s'appelle Survival. C'est un truc on est dans la montagne un peu, il faut survivre, il y a des missions, ramasser des armes et tout, enfin voilà. C'est un truc qui est vraiment pas mal, moi j'aime bien. T'as au passage une petite triple là. Ça c'est toujours ça fait toujours plaisir, une petite triple, surtout en EC. Rien de mieux pour débloquer les SS. Donc ensuite pour la vidéo spéciale 80 abonnés. Enfin, parce que je compte bien faire une vidéo spéciale 80 abonnés, vu que c'est le premier palier que j'ai atteint depuis que j'ai repris YouTube, donc il y a de ça une semaine maintenant. Qu'est-ce qui vous intéresse? Donc je sais pas, il y en avait qui m'avaient proposé par message YouTube de faire un gaming setup, en gros présenter tout le matériel que j'ai. Donc c'est-à-dire, je sais pas qu'est-ce que vous voulez après, mais si vous voulez que mon matériel, genre mes écrans, ma console, mon PC, mon clavier, ma souris, enfin voilà, ma manette, ma chambre quoi en gros. Ou est-ce que vous voulez aussi intérieur de mon PC, les logiciels, tout ça? Parce que si vous voulez ça, il me faudra un petit peu plus de temps pour le réaliser. Parce que là, il faut savoir que là, ben justement sur cette vidéo que je vous fais actuellement, j'ai changé de logiciel de montage, j'ai arrêté Sony Vegas parce que je le trouvais un petit peu trop compliqué. Et j'ai voulu en essayer un autre. Donc là, je me suis tourné vers Adobe Premiere Pro, je crois, CC là, le tout dernier. Donc là, au passage, énorme fail de ma part.
Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, je me suis tourné vers ce logiciel-là, je l'ai essayé et pour le moment j'ai essayé, il est un petit peu mieux que, enfin un petit peu plus facile que Sony Vegas. Et voilà. Ensuite j'ai. Ouais non après je pourrais. Il n'y a que par rapport à ce logiciel-là qu'il faut que je me familiarise un peu et après je pourrais tout vous montrer comment ça marche et tout, il n'y a pas de problème, il suffit juste de me le demander. Donc dites-moi ce que vous voulez. Après je voulais aussi vous demander, est-ce que ça vous intéresse toujours de voir de voir le truc gagne une mêlée générale, enfin le concept, voilà, je cherchais le mot, gagne une mêlée générale à l'arme secondaire. Parce que si ça vous intéresse toujours, ben, je vais me relancer dans Melee Général pour essayer de vous le faire. Donc là, le prochain, il faut savoir, ce sera au 5-7. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de le mettre dans les commentaires et je referai ça. Puis de toute façon, je compte même le reprendre, même si vous me répondez pas. Mais bon, je compte sur vous pour me répondre. Vous commencez à être 80 maintenant. Et vous commencez à regarder de mieux en mieux mes vidéos, à mettre des petits j'aime et tout ça me fait toujours plaisir. Donc je compte sur vous pour me donner des réponses. Et voilà. Donc ensuite aussi je me suis lancé dans la création de miniatures. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que j'ai essayé ça, je sais pas si ça va être bien ou pas. Donc voilà. Et je vais pas avoir fini mon commentary avant la fin de la vidéo parce que là elle se finit, donc je finis en 61 pour 5, donc c'est un bon petit gameplay quand même pour débloquer un groupe de chasse. C'était pas une tentative, c'était rien du tout, c'était juste pour débloquer des groupes de chasse avec les armes. Donc voilà. Donc ensuite pour finir de parler, vous aurez par contre un petit écran noir où je vous mettrai peut-être une photo ou je sais pas du tout ce que je vous mettrai. Mais je suis désolé pour ça, ceux qui veulent arrêter la vidéo, qui sont là que juste pour le gameplay, mais tant pis. Mais je voulais aussi vous parler de que quand j'aurai pas de sujet, est-ce que ça vous intéresse que je vous parle un petit peu des news multimédia, c'est-à-dire les sorties des nouveaux téléphones, sorties des nouveaux jeux, les nouveautés qui sont sorties sur Xbox One, les nouvelles comment dire, toutes les nouvelles astuces, enfin pas astuces, les nouvelles informations pardon. Et voilà, donc si ça vous intéresse dites-moi le aussi et je ferai ça, en sachant que j'ai plusieurs sites où c'est que j'ai plein d'informations que je pourrais vous donner et qui pourraient vous intéresser. Donc voilà, donc je vous invite à compter le nombre de fois où c'est que j'ai dit donc dans cette vidéo et on verra si jamais je l'ai dit moins de fois que les autres ou pas. Mais à mon avis, j'ai dû le dire toujours pareil parce que c'est plus fort que moi, je le fais même pas exprès. Et voilà, donc aussi l'autre jour, je vous avais pas dit, mais il y a une page Facebook pour la team que je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ma vidéo précédente, ma première nucléaire. Je parle de ma team, donc la Oxylane. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir donc. Et au pire des cas, sur ce gameplay, sur le trou là où il n'y aura pas de gameplay, je vous mettrai la miniature que j'ai créée. Et de toute façon, vous la verrez en début de vidéo comment dire, sur le devant de la vidéo. Je vais essayer de la mettre. Je sais pas si elle va marcher ou pas. On verra bien. Donc voilà, sur ce, je vous dis ciao les gars et à très bientôt.